resonated for so many in my generation and the generations below and above. What would you want to tell today's writers, especially younger women, the many from the LGBT community about seeking freedom when they write about class, caste, or religious and social fractures? Ce que je pourrais dire, c'est justement de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur d'écrire sur ce qu'ils ressentent comme injustice ou comme souffrance. Ou, voilà, ça dépend évidemment de chacun de savoir ce qu'il a à dire. Mais l'important, c'est toujours. Je pense que, quelque part, l'écriture doit toujours être une transgression. Une transgression, c'est-à-dire de briser ce qui est convenu, ce qui fait plaisir, le sorte de consentement. Là, je parle de consentement aux valeurs qui sont en circulation, à ce qu'on entend, par exemple, ou ce qu'on lit même sur les réseaux sociaux, ou bien ce qu'on entend à la télévision. Il faut, au fond, avoir, je pense, toujours une sorte d'esprit critique même de soi-même et de la société quand on écrit, se demander ce que l'on écrit n'est pas justement, au fond, pour plaire. Et là, je vais même jusqu'à dire, même moi-même, je ne veux pas plaire en écrivant, je veux dire, à une sorte de doxa, de règles féministes. Je peux prendre des positions dans la vie qui sont assez radicales, mais lorsque j'écris, je mets cela un peu de côté pour être voir les choses de façon juste toujours et non pas être encombré, empêtré par une idéologie quelconque ou par des idées en circulation. What I would like to tell them is not to be afraid. Don't be afraid of writing about what you feel, what you felt, what you feel about injustice, suffering, and it depends on who you are as an individual and what you want to write about. And writing, first and foremost, should be a sort of transgression, sort of breaking the rules. And that would mean that questioning all the values that we keep on hearing about or reading in the newspapers and on social media or on television. And this in order to have a critical mindset, not just towards oneself, but also towards the society. And one must ask oneself, are we writing just to please somebody? Is something we can to please someone? Personally, I never write to please anyone, or nor do I write to conform to any specific discourse. I can take any radical position, but when I write, I try and I make sure that whatever I'm writing, is it influenced by or overly weighted by any political ideology or the ideas that are in circulation in general in the society. So I take that distance, I keep it aside, and I see if whatever I'm writing is it my own.